بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بعون الله تبارك وتعالى نكونتينيو في شرح نواقض الإسلام العشرة المسمى بالدروس في شرح نواقض الإسلام. Donc dans l'explication des annulations de l'islam qui est nommée les leçons dans l'explication des annulations de l'islam. Et c'est le livre du Cheikh Saleh ibn Abdullah Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Alors, nous sommes toujours dans la première leçon. Non, Afwan, nous sommes toujours dans la deuxième leçon. La deuxième leçon dans l'explication du Naqid al-Awwal, qui est la première annulation de l'islam, qui est Ash-shirku fi ibadatillahi ta'ala. Le shirk, l'associationnisme dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors aujourd'hui, nous allons expliquer les deux différentes catégories du shirk, les deux différents types de shirk. Alors le shirk, il dit « wa shirku nawan ». Le shirk est de deux types. « Anawul awwal shirkun akbar ». Le premier type, c'est le shirk majeur. Comme on peut dire le grand shirk. An-naw'u thani, et le deuxième type, shirkun asghar, c'est le shirk mineur. Comme on peut dire le petit shirk. Alors, bismillah, nous allons voir ces deux types de shirk. Expliquer avec la parole du Cheikh Saleh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala. Il dit, ash-shirkul akbar, هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله كما سبق. Il dit le shirk majeur, c'est vouer une chose parmi les différents types d'adoration pour un autre qu'Allah, comme cela a précédé. وهذا النوع يخرج صاحبه من الملة. Ce type de shirk fait sortir celui qui le fait de la religion. ويحرم على صاحبه دخول الجنة et interdit l'entrée au paradis à celui qui a fait ce shirk ويخلده في النار et l'éternise dans le feu de l'enfer ويحبط جميع الأعمال et détruit toutes les actions ويبيح دمه autorise son sang وماله c'est bien, فَوَا قَبِيْحٌ alors ce shirk est laid, comme on peut dire, ce shirk est vilain. مِنْ عِدَّةِ وُجُوهُ de plusieurs angles. On peut dire que ce shirk est laid et dangereux, que le shirk al-akbar, qu'Allah nous préserve de ce shirk. Premièrement, أَوَّلًا le shirk est laid, ce shirk est laid. أَنَّهُ يَجْعَلُ صَوَى حبه كافرا مشركا. Ce shirk rend celui qui le fait mécréant et associateur. ثانيا أن المشرك. Deuxièmement, le mushrik, l'associateur, قد حرم الله عليه الجنة. Allah l'a interdit l'entrée au paradis. Alors que celui dont Allah l'a interdit l'entrée au paradis, wa ma'wahu an-nar, sa demeure,
sera l'enfer. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Et les injustes n'auront pas de secoureurs. Personne ne pourra les aider, les secourir devant Allah. وَالتَّحْرِيمِ. Ici, le tahrim, qui veut dire l'interdiction, بِمَعْنَ الْمَنَعَ. C'est l'empêchement. مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ مَنْعًا بَاتًا. C'est l'empêchement de l'entrée au paradis de façon totale. وَلِهَذَا قَالَ. C'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala il a dit وَمَأْوَاهُ النَّارُ. Et sa demeure sera l'enfer. لَمَّا حُرِمَ مِنَ الْجَنَّةِ. Lorsqu'il a été interdit de rentrer dans le paradis, صَارَتِ النَّارُ مَأْوَاهُ أَبَدُ الْأَبَدِ. Donc l'enfer est devenu sa demeure de façon éternelle. وَلَا يَخُرُجُ مِنْهَا أَبَدًا. Et ne va pas sortir, c'est-à-dire qu'il ne va jamais sortir de l'enfer. وَالْعِيَازُ بِاللَّهِ. Et qu'Allah nous préserve de cela. Salisan. Troisièmement, ce qui parmi ce qui montre, les choses qui montrent la laideur du shirk. أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكِ مِنَ الْمَغْفِرَةِ. Allah interdit le pardon. Empêcher au mushrik le pardon. قال تعالى. Allah le Très-Haut dit إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ. Mais il pardonne tout péché qui est en dehors du shirk, c'est-à-dire en dessous du shirk, à celui qu'il veut. Ici dans le verset, nous voyons que Allah subhanahu wa ta'ala il empêche son pardon à celui qui fait le shirk. فالمشرك إذا مات على الشرك. L'associateur, lorsqu'il meurt sur l'associationnisme, لا طمع له في مغفرة الله. Il n'a pas d'espoir qu'Allah lui pardonne. Il n'y a pas d'espoir. ما لم يتم. Tant qu'il ne sait pas repentir avant la mort. وإنما المغفرة من دون توبة لمن شاء الله خاصة بالذنوب. Le pardon sans repentir est pour les autres péchés, pour celui qu'Allah veut, c'est-à-dire التي دون من المحرمات والكبائر. دون الشرك. Ce qui est en dessous du shirk, Allah il pardonne à celui qu'il veut, à waliyan. C'est-à-dire, يوم القيامة, lorsque les gens seront ressuscités, celui qui a le tawhid, Inch'Allah, si Allah veut, pour les autres péchés, غفر له, Allah lui pardonne, et il rentre directement au paradis sans être châtié pour les autres péchés. Si Allah veut. C'est-à-dire, s'il vient le jour de يوم القيامة, avec la zina, le sariq, le qatl, c'est-à-dire la fornication, le vol et le meurtre. Pendant qu'il a le tawhid, celui-là, il est sous la volonté d'Allah. Tahta mashiyatillah. Si Allah veut, Allah lui pardonne ses péchés. Mais si Allah veut, Allah le fait rentrer dans l'enfer pour le purifier de ses péchés, mais il ne va pas rester dans l'enfer. Il va rentrer au paradis. Voilà le bénéfice du tawhid. Mais celui qui n'a pas le tawhid, arrivé le jour de Yom al-Qiyamah, alors celui-là, l'enfer lui est garanti. C'est-à-dire que ceux que les actions seront comptées, pesées, c'est ceux qui ont le iman. Mais quant à celui qui a le shirk dans sa balance, alors celui-là, il rentre directement dans le feu de l'enfer. Mais celui qui vient avec des péchés en dessous du shirk, tels que les grands péchés, kazina, comme la fornication, ou asariq, le vol, وَشُرْبُ الْخَمْرُ, le fait de boire l'alcool.
التي وغير ذلك أترك سلا من المحرمات parmi les interdits والكبائر et parmi les grands péchés التي لا تصل إلى حد الشرك ce qui n'arrive pas à la limite du shirk فهي تحت مشية الله celui-là il est sous la volonté d'Allah إن شاء si Allah veut غفر لأصحابها Allah pardonne à ceux qui ont fait ces grands péchés. وإن شاء si Allah veut عذابهم il est châtié بقدر ذنوبهم selon leurs péchés ثم يخرجهم ensuite il les fait sortir من النار de l'enfer ويدخلهم الجنة et les faire entrer au paradis بتوحيدهم à cause de leur tawhid وإيمانهم et à cause de leur foi وهؤلاء يقال لهم selon dit à leur sujet عصات الموحدين les désobéissants parmi les gens du tawhid عصات الموحدين les désobéissants parmi les gens du tawhid طيب لكن إذا لم يغفر لهم si Allah ne les pardonne pas pour les péchés qu'ils ont faits فإنهم mais malgré cela لا يخلدون في النار ils seront pas éternisés dans le feu de l'enfer كما يخلد الكفار comme les mécréants seront éternisés وعبدة الأصنام et les adorateurs d'idoles والمشركون ainsi que les associateurs نعم افهموا هذا Dans Sahih al-Bukhari, dans Kitab al-Janaïs, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abu Zar, il dit, il m'a été annoncé une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, Anna man wahad Allah, celui qui a unifié Allah subhanahu wa ta'ala. Il est mort sur cela, yadukulul jannah, il rentre au paradis. Abu Zar, il dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa in zana wa saraqa. Même s'il vole et fornique, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, wa in zana wa saraqa. Même s'il vole et fornique. Il a répété cela trois fois. Et le quatrième fois, il voulait, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, raqma un fi abizar. Il rentre au paradis, même si abizar veut pas, entendre cela. Toyib, quelle est l'explication de ce hadith? L'explication de ce hadith, awalan, est que cela ne montre pas que cette personne ne veut pas rentrer au paradis. Et afwan, en enfer. Ça ne montre pas qu'il ne peut pas rentrer en enfer. Mais il a dit, celui qui unifie Allah rentrera au paradis. Il peut passer par l'enfer, mais rentrer au paradis, comme il peut rentrer directement à la cour de Hal, le résultat, c'est qu'il va rentrer au paradis. Celui qui unifie Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Allahu musta'an, wa alayhi tuqlan. Rabi'an, quatrièmement. Ash-shirku yuhbitu jami' al-amal. Le shirk détruit toutes les actions. Qala ta'ala. Allah le traduit, il dit, ولقد أوحي إليك نتبون ريفيلي وإلى الذين من قبلك إي à ceux qui sont venus avant toi ou محمد لئن أشركت si tu associes à Allah ليحبطن عملك ton action sera nulle et vaine ولتكونن من الخاسرين et si tu seras parmi les perdants بل الله mais c'est Allah فعبد que tu dois adorer وكن من الشاكرين et sois parmi les reconnaissants طيب ici même الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا أن يشرك بالله الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا impossible qu'il associe Allah سبحانه وتعالى ولكن الذي لئن أشركت لا يحبطن عملك si tu associes Allah subhanahu wa ta'ala tes actions seront nulles ولا تكونن من الخاسرين et tu seras parmi les perdants
Alors cela montre la gravité du shirk, n'est-ce pas? La gravité du shirk. ولهذا يقول سبو سلاك يقولون إديس إن الشرك يبطل الأعمال. Le shirk annule les actions. كما يبطل الحدث الطهار. Comme l'impurité annule la purification. C'est-à-dire que si quelqu'un il vient de prendre les ablutions et il fait sortir du vent, il doit reprendre les ablutions. N'est-ce pas? Donc, le shirk annule l'action comme l'impurité annule la purification. Si l'être humain il prend les ablutions, ensuite, il y a une impurité qui a survenu, telle que le fait de faire sortir le vent, aller uriner, ainsi de suite, batula taharatuhu. Sa purification est annulée. Kadhalika, c'est de même, idha shahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. S'il a testé l'unicité et reconnu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, summa ashraka shirkan akbar. Ensuite, il a fait le shirk majeur, batula tawhid. Son tawhid devient nul. Wa batula amalu. Batula amalu. Ses actions deviennent nulles. Lianna shirk yubtilu l'amal. Car le shirk annule les actions, kama yubtilu l'hadas tahar. Comme l'impurité annule et détruit la purification. Wa qala ta'ala lamma zakara ba'd al-anbiya. Allah dit, lorsqu'il a mentionné certains prophètes, fi sourate al-an'am, lorsqu'il a dit wa nuhan hadaynahu min qabl wa min zurriyyatihi daoud wa sulayman, il dit et nous l'avons guidé avant ainsi que sa descendance daoud, sulayman. Il a cité beaucoup de prophètes, mais à la fin il a dit wa law ashraku, si cela, tout cela, s'ils avaient associé Allah, la habitu anhum ma kanu ya'malu, toutes les actions seront nulles. Toutes les actions. Dans ce verset, il a cité plusieurs prophètes. Lorsqu'il a dit wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim, il a cité Ibrahim. Voilà l'argument que nous avons donné à Ibrahim sur son peuple, à la qawmi. Il a dit narfa'u darajati man nasha, on élève qui on veut. Ensuite, il a dit wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub. Ça fait deux, les deux. Ça fait trois prophètes. Nous l'avons donné Isaac et Yaqub. Et tout cela, nous l'avons guidé. Il a dit wa Nuhan. Il a cité un quatrième prophète. Et Nuh, hadaynahu min qabl. Nous l'avons guidé. Il a dit de la descendance de nous, Daoud. Ça fait cinq. Wa Suleyman, six. Wa Ayyub, sept. Wa Yusuf, huit. Wa Moussa, 9. Wa Haroun, ainsi que Haroun, 10. Il a dit wa kadhalika najzi al-muhsinin. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaiteurs. Ensuite, il dit wa Zakaria, 11. Wa Yahya, 12. Wa Isa, 13. Wa Ilyas, 14. Il dit kullu min as-salihin. Tous ceux-là, ils sont des hommes pieux. Ensuite, maintenant, il vient citer wa Ismaïl, 15, wa Yasa, 16, wa Yunus, 17, wa Luta, 18. Et il dit wa kullan, tout cela, faddalna 'ala al-'alamin. Nous les avons mis au-dessus de tout le monde, car ce sont des prophètes. Walakin, il a dit quoi? Il dit wa min aba'ihim wa zurriyatihim. Et leur père, et leur descendance, wa ikhwanihim, et leurs frères prophètes, wa shtabaynahum, que nous avons écartés, et nous avons choisi, wa hadaynahum ila sirati mustaqim, et nous les avons guidés sur la bonne voie. Il a dit, zalika hudallah, voici la guidance d'Allah, yahdi bihi man yasha min ibadi. Il guide qui il veut parmi ses serviteurs, et maintenant il dit, wa law ashraku. Si tous ceux-là avaient associé à Allah, la habita anhum ma kanu ya'malu, toutes les actions seront nulles. Même les prophètes,
Allahul Musta'an. Donc, cela montre l'importance de connaître le tawhid et de s'écarter du shirk. Ma annahum anbiya, le cheikh Salah Al-Fawzan dit, malgré que ils sont des prophètes, walakin law qudira annahum ashraku, si on dit par exemple, on accepte que ceux-là, c'est si ça arrivait, que ceux-là, ils aient associé à Allah, la habitat anhum a'maluhum, les actions seront nulles, comme qala ta'ala li nabiyyi, comme Allah dit aussi à son prophète, la in ashrakta la yahbatanna amalu. Si tu es associé à Allah, ton action sera nulle. Fala yanfa l'insan. Ne profite pas à l'être humain. Aïe amal. N'importe quelle action. Amilahu ma'a shirk. Qui l'a fait? Et il a le shirk avec cette action. Ou amilahu qabla. Ou bien il a fait une action avant de faire le shirk. Walam yatu minu. Et il ne s'est pas repenti. Alors, toutes ces actions ne sont pas acceptées. C'est-à-dire celui qui a fait de bonnes actions. Et il vient faire le shirk, ses actions sont nulles. Celui qui fait le shirk et il continue à faire les bonnes actions, ses actions sont nulles. Ba'dahu aw qabla la yanfa'uhu li annahu yubtilu al-amal, car le shirk détruit les actions. Voilà ce qui est important. On doit appeler les musulmans vers ça. Allah. Le shirk était garanti. L'enfer. Est-ce qu'on doit s'amuser avec ça? Là. On ne doit pas s'amuser avec. Ce qui te garantit le paradis qui est le tawhid. Est-ce qu'on peut, on doit s'amuser avec ça? Là. Walakin, hada sawara min hawan ashia. Ça fait partie des choses les plus négligées à notre époque. Wa musta'an. Fa iza mata alayhi, si l'être humain meurt sur le shirk, sort min ahlinar et devient parmi les gens de l'enfer. Ne dis pas mushrik, c'est celui qui ne croit pas à Allah, c'est kafir. Celui qui ne croit pas à Allah, c'est kafir. Le mushrik, c'est celui qui adore Allah et adore autre chose. Celui qui adore Allah invoque les morts. Celui qui adore Allah invoque les chiouks. Celui qui adore Allah va faire des tawaf autour des mausolées, des tombes. Hazaoua mushrik. Si, c'est le shirk. Et même s'il prie à la mosquée, même s'il jeûne, même s'il fait le hajj, même s'il fait toutes ses actions, tant qu'il ne s'est pas écarté du shirk, et même s'il meurt, et que tous les musulmans prient sur lui, فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ مُشْرِكِ, il est considéré auprès d'Allah comme un mushrik. Khatir, c'est très dangereux. مِنْ أَخْتَرِ مَا يَكُونَ, cela fait partie des choses les plus dangereuses. C'est le shirk. لَا يَغْفِرُ, Allah ne pardonne pas. إِنَّهُ مَنْ شِرْكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Celui qui associe Allah, Allah l'interdit au paradis, du paradis. Sa demeure sera l'enfer. Est-ce qu'un musulman doit s'amuser avec ça? Fal amru jid jid. La chose est très sérieuse. Le musulman, il ne doit pas s'amuser avec ça. Allahul Musta'an. Khamisan, cinquièmement. Anna shirk. Le shirk, yubihu dam al mushrik. Le shirk autorise le sang des mushriks. C'est-à-dire celui qui fait le shirk, il a autorisé qu'on le tue. Wa mal, et c'est bien. Wa yujibu jihad, et ça rend obligatoire le fait qu'on le combatte. Qala ta'ala, qala sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, umirtu an uqatil an-nas, j'ai été ordonné de combattre les gens, hatta yaqulu la ilaha illallah, jusqu'à ce qu'ils attestent l'unicité d'Allah. Est-ce que c'est de dire sur la bouche? C'est de croire en cela. Mais s'ils ont dit sur la bouche, faiza qaluha, s'ils le disent, asamu minni dima'ahum, leur sang me sont interdits. C'est-à-dire leur sang est préservé. Wa amwalahum, et leur bien,
إلا بحقها. Sauf un droit de l'islam. C'est-à-dire, s'il a désobéi à Allah dans l'islam, tel que la zina, s'il est marié, il est tué. S'il a tué quelqu'un, c'est la loi d'Italien. Walakin, s'il n'a rien fait de tout cela, et qu'il a attesté shahada, alors son sang est interdit. Ses biens sont interdits, sauf par un droit. Wa hisabuhum Allah, et leur compte incombe à Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yasimul mal wa dam illa tawhid. C'est le tawhid qui préserve le sang et les biens. Amma shirk, quant au shirk, fa innahu yubihu dam. Le shirk autorise le sang wal mal et les biens bi muqatalati ashabiha, par le fait de les combattre, ceux qui font le shirk. Hadha huwa shirk وما يترتب عليه من العقوبات. Et ce qui en résulte parmi les châtiments في الدنيا والآخرة, dans la dunya et dans l'au-delà. وهو أنواع كثيرة أعظمها. Et le shirk est de différents types, mais les plus immenses, c'est دعاء غير الله, c'est d'invoquer autre qu'Allah. والاستغاثة بغير الله, demander de l'aide à d'autres qu'Allah, fima la yaqdir alayhi illallah, lui demander du secours dans ce dont Allah seul est capable. Ad-du'a ghayr Allah, al-istighatha. Istighatha, c'est quoi? C'est talab al-ghawthi. Demander de l'aide dans des moments de difficulté. Adamana istighatha. Comme Allah dit, istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Dans la bataille de Badr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a soulevé sa main. Istaghatha billah. Il a demandé à Allah de l'aider dans un moment de difficulté. Allah dit, fa inni mumiddukum bi alafin min al malaika. Je vous ai exaucé. Fastajaba lakum. Et j'ai fait descendre des milliers d'anges. Adamana istighatha. Walakin unzuru. Comme hada la yaghfa. La yaghfa at-tijaniya wa soufiya. يعبدون شيوخهم. Ils adorent les shiyukh. Hatta tu vois certaines vidéos où il est devant la tombe de Ahmad Tijan. Et il dit, ya Ahmad Tijan, aghisni, aghisni, istighatha. Secours-moi. Ya Ahmad Tijan, anqizni, aide-moi, secours-moi. C'est shirk. Akbar, mokhriju min al-milla. C'est le shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Allahu musta'an. Lakin les musulmans, la yata'allamoun, ils n'apprennent pas le din. Ils suivent les gens comme ça. Wa zabhu li ghayrillah. L'immolation pour autre qu'Allah. Tel que par exemple, on voit cela beaucoup dans les villages. Ils ont quelque part des bois sacrés, des idoles dans ces villages, ou bien la terre même du village que les gens adorent. Ils disent, la terre du village, quand tu arrives dans le village pour avoir l'agrément des djinns, ou bien la terre, tu dois immoler quelque chose. Kullu hadha yaf'aluhu al-muslimun. Les musulmans, ils font ça. Ayukhrijuna min al-milla. Ils sortent de l'islam. Lakin هم في المساجد, ils sont dans les mosquées. الله المستعان. والسجود لغير الله, se prosterner devant un autre qu'Allah. والنظر لغير الله. النظر, c'est le vœu, comme on dit en bambara, dakan, kadakanta. C'est-à-dire tu vas voir quelqu'un, ou bien une rivière, une mer, des djinns, et tu dis, si tu donnes cela, tu vas faire cela pour eux. Adamana Nazr, Naam, Dafali. Mais ici, nous on appelle Daka. Kadakanta ou Dafalita. Bon. Ala kulli hal, kullu hadha shirk. Tout cela, c'est du shirk. War ruku'i li ghayrillah. Et aussi, fait le ruku', genuflexion, devant un autre qu'Allah. Hadha shirk. Tel que par exemple, tu vois certaines personnes. Lorsqu'une grande personnalité arrive, tu vois, il fait ruku'. Pour le saluer. Hein? Comme c'est venu de façon authentique
Le messager d'Allah, l'imam Nawawi, il mentionne cela dans Adab. Le cheikh Mohamed Saïd Raslan, il mentionne cela aussi dans Adab al-Islamiyya, dans le livre qu'il a écrit, Adab al-Islamiyya. Un hadith qui est authentique, où les compagnons ont dit que si nous rencontrons une personne, est-ce qu'on s'abaisse pour le saluer? Il dit là. Est-ce qu'on lui tend la main pour le saluer? Il dit non. Al-musafahatu inda al-liqa. Le fait de serrer la main, c'est lorsqu'on se rencontre. Mais on ne s'abaisse pas pour saluer quelqu'un. Azalaya yuzu fil islam. C'est pas permis. Par exemple, ceux qui font le karaté, par exemple. Karaté. Voilà, le karaté. Ils ont les salutations qu'ils font. Ou ils s'abaissent. Ça va? Kullu hadha. D'abord, le karaté, ça vient d'une des pratiques des bouddhistes. Et ils ont des incantations, ils ont des trucs dedans, et ils ont ces salutations-là. Hadha aidon. La yajuz. C'est pas permis. Parce que ce sont des trucs qui contredisent l'islam. Est-ce que c'est interdit de l'apprendre? Oui, c'est pas interdit de l'apprendre. Mais il y a de ces pratiques qu'il ne faut pas faire. Kala nanhani. On ne s'abaisse pas devant son maître. Ni pour le saluer. Hadha la yajuz. Non, le fait de se lever pour saluer le maître, Hadha aidon. Ce n'est pas permis. Ça va? Mais c'est des choses que les gens y mettent. D'autres trouvent moubah, d'autres trouvent que c'est interdit. Voilà que c'est pas permis. Hadha la yajuz. La yajuz. Barakallahu fik. Donc, ici maintenant, il dit وَمَنْ صَرَفَ شَيْءًا مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ. Celui qui voue quelque chose parmi les différents types d'adoration لِغَيْرِ اللَّهِ pour un autre qu'Allah فَقَدْ أَشْرَكَ الشِّرْكَ الْأَكْبَرُ. Il a associé à Allah du shirk majeur. Allah nous préserve de cela. النوع الثاني, le deuxième type de shirk, c'est الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ. C'est le shirk mineur. وَهُوَ مَا وَرَدَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. C'est ce qui est venu dans le Coran et la Sunna, tasmiyatuhu shirkan. Et ça a été nommé shirk dans le Coran et dans la Sunna, wa dallat al-adilla, mais les preuves ont montré que anna sahibahu la yukhriju min al-millah. Ils sont pas de l'islam. Mais c'est venu dans les textes que c'est le shirk. Mais les preuves montrent que celui qui fait ce genre de shirk ne sont pas de l'islam. Wa huwa naw'an, c'est deux types. Deux types de shirk mineur, asghar. An-naw' al-awwal, le premier type, shirkun fil alfaz. C'est le shirk dans les prononciations, c'est-à-dire dans les mots. Ce qu'on dit dans la bouche. Ça va? Kal-halif bi ghayrillah, tel que le fait de jurer par un autre qu'Allah. Hein? Tel que dire, je jure par le tonnerre. Je jure pas ceci ou cela. Hein? Comme les Bambara disent, Neni sans prêt. Ou bien d'autres disent, Abeneni alati. C'est ça, non? Non. Abeneni mbache. Abeneni mbache. Kulo haza haram. Haza shirk. Ou amis le kaoul. Comme par exemple dit, Laoulallah. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit man halafa bi ghayrillah, celui qui jure par autre qu'Allah, faqad kafara, il a mécru ou ashraka, ou bien il a associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mithlu qawlu, comme par exemple le fait de dire laoula Allah wa anta, si ce n'était pas Allah et toi, hein, si ce n'était pas Allah et toi, ma sha Allah wa shita, ma sha Allah, si Allah veut et toi tu veux. Hada shirkun fil alfaz. C'est le shirk dans les mots. An-naw'u thani shirku khafiyun fil qalbi. C'est le shirk khafi, caché dans le cœur. Wa huwa anwa', et c'est de différents types. Ou min abraziga ar-riya. Mais ce qui est apparent parmi tout cela, c'est la riya. On dit ostentation.
فهو يعرض لما يرى من الأعمال وهو لا نوعان. C'est-à-dire, il montre aux gens ce qu'il fait comme action. Ça va, il veut que les gens regardent. Ça va? Et c'est les deux types. Le premier type, c'est ria des munafiqin, des hypocrites. Le ria des hypocrites. Alladhina hum fi darkil asfali minan nar, ceux qui sont au fin fond de l'enfer. Alladhina yura'una an-nas bi a'malihim, qui montrent leurs actions aux gens, wa ya'taqiduna bi qulubihim al-kufr, mais dans leur cœur ils croient pas, ils sont mécréants. Wal'a'udhu billahi qala nous préserve de cela, ria ou kuf, c'est ce qu'on appelle le ria du kuf. لأن أصحابه كاسوا كيون سريا لا يؤمنون بالله إن كرّب الله وإنما يتظاهرون بالأعمال الصالحة إن font que paraître montrer aux gens les bonnes actions لأجل مطامع الدنيا à cause des délices, c'est-à-dire de ce qu'ils veulent de la dunya. C'est tout. Et ce nifaq est apparu dans le zaman al-madani, dans fatrat al-madaniya. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam arriva à Médine, à Makkah, il n'y avait pas de munafiques. Parce que là-bas, avec les difficultés que les musulmans ont rencontrées là-bas, si tu es munafique, tu ne peux pas supporter. Le nifaq est apparu à Médine. Car certaines personnes voulaient préserver leurs biens. Ils voulaient préserver leurs biens, leurs personnes, telles qu'Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Rasul Munafiqin, Sheikhul Munafiqin, lui voulait préserver ses biens. Tayyib, donc, il a montré devant les gens qu'il était croyant. Comme Allah dit, Yura'un al-Nas, il montre aux gens, Wala yadhkurun Allah ila qalila. Mais ils ne font pas l'évocation. Le fait de ne pas faire beaucoup de zikr, ça fait partie des signes des Munafiqin. Wallahu musta'an. Donc, le chef dit wayazu billah, qu'Allah nous préserve. Deuxièmement, ar-riya alladhi yahsul min al-muslim. Le riya, c'est-à-dire l'ostentation qui arrive du musulman, c'est-à-dire qui vient du musulman. Qala sallallahu alayhi wa sallam li ashabi. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, lamma kharaja ilayhim wa hum yatazakaruna ad-dajjal. Lorsqu'il est sorti, il a trouvé ses compagnons, il était en train de parler de Dajjal. قال الى دي الا اخبركم بما هو اخوف عليكم ne voulez-vous pas que je vous informe de ce qui est plus yani qu'on craint plus pour vous que Dajjal. قالوا les compagnons ont dit بلى يا رسول الله si au messager d'Allah. قال الرياء l'ostentation. يقوم احد l'un d'entre ceux-là qui ont le ria, il s'élève, fayusolli, il prie, wayuzayyin solata, il embellit, c'est-à-dire, il prie bien, lima yara minan nazari rajulili, à cause du regard d'un homme. C'est-à-dire, un homme le regarde, yuhassin as-salat. C'est-à-dire, il prie bien, à cause du regard des gens. Ce hadith est rapporté par l'imam Ahmad Hakim et authentifié par Cheikh Albani. Cela arrive du musulman comme du croyant. S'il trouve en lui ce ria par exemple, il s'oppose à ce ria et il résiste. وعاد الى الاخلاص لله اذ يرجئ او اخلاص فلا يدور اذا دفع سنفا با لو فدي تو سي ريبوس سوريا واما اذا استمر معه ما سيل كونتينيو avec سوريا فانه يبطل العمل سديتوي لاكسيون اذا كان معه من بدايته سي سوريا avec lui c'est de l'ostentation avec lui au début jusqu'à la fin alors interdit. C'est-à-dire, sur Ria, l'action est nulle. Ça va? Wa kadhalika idha tara fi athna'i al-'amal. Si ça vient lors de l'action, alors, son action est nulle. Wa stamarra ala raji.
et ça continue jusqu'à la fin. Et de façon prépondérante, c'est cette parole qui est authentique. D'abord, je vais vous donner trois sourates du Riyad concernant l'adoration. La première figure du Riyad, si une personne, c'est un exemple que je donne pour que vous puissiez comprendre, si une personne commence une prière, et au début de sa prière, c'était le Riya, c'est-à-dire l'ostentation. Il veut montrer sa prière à quelqu'un, même s'il arrive au milieu de sa prière, qu'il s'est rendu compte que depuis le début, c'était Riya, il doit reprendre la prière à zéro. Parce que toute chose qui commence par le Riya est nulle. Il reprend la prière à zéro. C'est-à-dire une bidaya depuis le début. Si Ria, si il commence avec Ria, alors, même s'il arrive au milieu de la prière, à la couleur, s'il finit la prière, c'est le début qui compte. Innamal a'malu binniyat. Il a commencé avec quoi? Ria. Donc, même s'il arrive à la fin de la prière, qu'il se rend compte que il a commencé la prière avec Ria, il reprend la prière. La deuxième figure, s'il commence avec ikhlas, mais arrivé au milieu, Ria est rentré, et il termine sa prière avec Ria, sa prière est nulle. M'avoue, s'il commence avec ikhlas, et arrivé au milieu de sa prière, quelqu'un est venu, ou bien il veut embellir sa prière devant les gens, alors qu'il avait commencé avec l'ikhlas, mais arrivé, le Riya est rentré. Alors, ce qui est obligatoire pour lui, c'est de repousser ce Riya et terminer la prière avec l'ikhlas. Mais s'il ne l'a pas fait, qu'il a continué jusqu'à la fin, sa prière est nulle. C'est compris? Maintenant, troisième figure, c'est celui qui commence avec le ikhlas. Arrivé au milieu, le riya rentre. Il repousse le riya et termine avec ikhlas, sa prière est valable. Sa prière, il n'y a pas de problème. Voici les trois figures. Je répète encore. La première figure, c'est celui qui commence à prier avec le Riya. Hada, c'est batil. Il commence à prier avec le Riya, sa prière est batil. Il doit reprendre. Deuxième figure, c'est celui qui commence avec l'ikhlas, mais termine avec le Riya. Sa prière est aussi nulle. Troisième figure, c'est celui qui commence avec le ikhlas, arrivé au milieu de son acte, le riya rentre, l'ostentation rentre, mais il repousse jusqu'à finir sa prière, alors sa prière est valable. Maintenant, quatrième figure, ça c'est ce que tout le monde connaît, celui qui commence avec le ikhlas jusqu'à la fin. Mais on parle de ceux que le riya peut rentrer dans leur prière. C'est trois catégories de personnes. Celui qui commence avec le Riya, sa prière est nulle. Celui qui il commence avec l'ikhlas au milieu, le Riya il rentre. Il termine avec le Riya, sa prière est nulle. Et celui qui commence avec l'ikhlas, arrivé quelque part dans sa prière, c'est le Riya rentre, mais il repousse le Riya jusqu'à la fin de sa prière. Alors celui-là, sa prière est valable. Tayyib, wa kazalika sum'a. C'est de même à Souma. À Souma, c'est comme le Riya. Mais le Riya, tu veux que les gens te regardent. Adamina Ru'ya. Ça vient de Ra'a. Yara Ru'ya. Vision. Adamana Riya. C'est-à-dire, tu cherches la vision des gens. Que les gens te regardent. Mais le Souma, c'est que tu cherches à ce que les gens écoutent ta parole pour être émerveillés. C'est-à-dire, à Souma. Ça va? Wahia
Lima yusmi'u min al-aqwal. C'est que tu veux faire entendre des paroles. Kazikr. Comme les zikr. Tu fais les zikr. Wa tilawat al-Qur'an. Tu lis le Qur'an pour que les gens écoutent. Ils vont dire, Masha'Allah. Kira'atuhu jayid. Jayida. Sa lecture est bonne. Min ajli an yasma'ahu an-nas. Pour que les gens écoutent. Wa yusnu alayhi. Et les gens vont bien parler de lui. C'est-à-dire faire son éloge. Et cela arrive même dans les paroles qui sont légiférées. C'est-à-dire les lectures légiférées. La lecture du Coran, les askar, wa ghayri zalik. Mimma yaf'aluha yuridu an yamda'ahu an-nas hina yasma'una. Il veut que les gens l'élogent lorsque les gens vont l'entendre. Voilà pourquoi certains ulama ont dit, même les askar à haute voix, si tu crains d'être touché par la soma, fais à voix basse. Ça va? Si tu te trouves dans une mosquée, quelque part, tu veux réciter le Coran, et tu crains que si tu récites à haute voix, tu vas vouloir impressionner des gens. Tu vas vouloir émerveiller des gens, les impressionner, tout ça. Donc, ce qui est mieux, c'est de faire quoi? De réciter à voix basse. Pour éviter rien. Pour éviter soma. Voilà pourquoi, à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les prières obligatoires, qu'alla yadkhulu ha fi riya. Yadkhulu riya fiha. C'est peu que le riya rentre dans les prières obligatoires. Parce que tout le monde est arrêté dans le même rang avec l'imam. Qui va vouloir faire riya? Mais, le riya vient souvent dans les prières surrogatoires. Voilà pourquoi Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit c'est afdol, c'est méritoire les prières surrogatoires à la mosquée, à la maison qu'à la mosquée. Pourquoi? Parce qu'à la maison tu arrives à te concentrer, tu es seul, on te voit pas, n'est-ce pas? Mais à la mosquée, le riya peut rentrer dans l'action. Ça va? Peut rentrer dans l'action. Tayyib. Naam. Donc ici, ou yaqa fi nafsihi shay min hubbi sana, ou bien quelque chose de l'amour, de l'éloge rentre en lui. Fa shaykun asghar. Il y a des gens par exemple, ils aiment qu'on dise mashallah. Rajul. Ah mashallah, il est bien, il est bien, il est ceci, il est ceci. Allah musta'an. Cheikh Raslan Hafizahullah, il dit, il dit à Ria, il rapporte une parole d'Ibn Qayyim. Il dit Ya'ti min ahmakinnas. Ça vient du plus idiot des gens. Pourquoi? Pourquoi il est plus idiot? Parce que Raliban, les gens ils vont pas parler devant toi. Ils vont pas dire il est comme ça devant toi. Bon, toi, tu détruis ton action. Je crois. Pour que les gens disent. Ils disent, telle personne, foulan, foulan, foulan. La yaksiru laka ju'an. Ça ne te coupe pas la faim. Wala yamla'u laka batnan. Ça ne te remplit pas le ventre. La yu'ti laka malan. Ça ne te donne pas de l'argent. Ni rien. Mad. Sana. Mada yufiduk. Qu'est-ce que tu gagnes dans cela? Qu'est-ce que tu gagnes? Rien. Mais tes actions sont nulles. Voilà ce que tu perds. Tayyib. Allahu musta'an. Donc, le cheikh dit, wa kadhalika min ash-shirk al-khafi. Et de cela aussi parmi les shirk khafi qui est caché, qui est le shirk al-asghar, an yurid al-insan bin amalihi ad-dunya. Que l'être humain veut par son action la dunya. Fayamalu amalan salihan. Il fait une bonne action. Wa yuridu tama dunya. Mais il veut par cela la dunya. Comme Allah Ta'ala, comme Allah le Très-Haut dit, man kana yuridu al-hayat ad-dunya wa zinataha. Celui qui veut la dunya et l'embellissement de la dunya, nuwaffi ilayhim. On leur donnera.
أعمالهم, ce qu'ils ont fait de la dunya. فيها وهم فيها لا يبخسون, et ils ne seront pas lésés. Mais أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار, mais ils n'auront rien dans la آخرة si ce n'est que l'enfer. Alors مستعان, فالذي يأتي بعبادة, celui qui vient, il fait une adoration, يريد بها طمع الدنيا, il veut la dunya avec cela, كالذي يطلب العلم الشرعي, comme celui qui demande la science شرعي لأجل الدنيا, pour la dunya. وأما الذي يطلب العلم غير الشرعي, mais celui qui cherche une science qui n'est pas la science de la législation de l'islam, qui est la science de la dunya, il dit فَلَبَثَ يَتَعَلَّمَ مِنْ أَجْلِ الدُّنْيَا, il n'y a pas de problème qu'il apprenne pour sa dunya. Ça va, كَالْحِرْفَ, comme par exemple le travail du métier, l'apprentissage du métier, يَتَعَيَّشَ بِهَا, pour pouvoir vivre avec cela, كَالْ يَتَعَلَّمِ الْحِسَابِ, comme le fait d'apprendre les comptes mathématiques, وَسِنَاءَ, c'est-à-dire la fabrication, والكتابة, l'écriture, يَقْسِدُ بِذَلِكَ يَحْسُلَ لَا وَظِيفَ, mais il veut arriver à une fonction, c'est-à-dire il veut être un fonctionnaire. Alors, فَهَذَا لَبَاسَ بِهِ, il n'y a pas de problème à cela. وَهُوَ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُبَاحَ, cela fait partie des causes mubah, autorisées, وَلَيْسَ عِبَادَ, et ce n'est pas adoration. À cela, je donne un conseil à mes frères et à mes sœurs. لِأَنَّ هَذَا الْأَمْرُ كَسُرَ فِي زَمَانِنَا هَذَا, cela a augmenté dans notre époque. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a un manque de confiance. C'est aujourd'hui certains musulmans qui étudient les actions du bien pour pouvoir chercher la dunya avec cela. Par exemple, aujourd'hui avec Internet, avec la facilité de pouvoir créer des cagnottes pour aider Fulan ou Alan, d'autres utilisent cela pour se faire de l'argent. Ils utilisent Amal Din ou Ad-Din. Ils utilisent la religion pour pouvoir atteindre leur but. Voilà pourquoi beaucoup d'entre eux, ils créent des cagnottes. On ne voit plus rien. Ils se payent. Ils créent, ils font des demandes d'aide, des demandes de dons, où ils vont dans les endroits. Ils prennent pour eux et ils donnent le reste aux musulmans. C'est-à-dire, Yakulu Nabi Din, ils mangent avec le din. هذا لا يلزمك أولا, c'est pas quelque chose qui t'est obligatoire, ça c'est la première chose. Si tu veux le faire dans le bénévolat, de façon bénévole, هذا خير, c'est un bien, et ce bien tu vas en résulter, tu auras les hasanat, et Allah subhanahu wa ta'ala va t'accorder le mérite. Mais si tu utilises cela pour couper l'argent des musulmans, pour voler l'argent des musulmans, pour t'enrichir, alors c'est haram. C'est haram. Et c'est ce que nous voyons beaucoup aujourd'hui. Il y a beaucoup, alhamdulillah, qui font dans les normes comme il se doit. Et par cela, ils récoltent des hasanat. Des hasanat. Mais il y a beaucoup, ils passent par la religion pour pouvoir gagner de l'argent. Si tu cherches de l'argent, le conseil que je donne à mes frères, si tu veux de l'argent, n'utilise pas la religion pour chercher de l'argent ou bien chercher ta dunya. Tu vas perdre. Nous avons vu certains frères, ils mettent sur leur page que c'est du bénévolat.
ce qu'ils font, c'est du bénévolat. C'est-à-dire, ils demandent de l'aide pour aider les gens. Voilà, Jayid. Ça, c'est une très bonne chose. Demander de l'aide pour aider les gens, c'est une bonne chose. Mais en même temps qu'ils mettent du bénévolat, normalement, si vous ouvrez une cagnotte, on a besoin de 1000 sacs de riz. C'est un exemple que je donne. 1000 sacs de riz. Et c'est du bénévolat. Bénévolat, c'est-à-dire, on le fait fi sabilillah. On n'a pas de salaire. Ok? Vous demandez, vous dites, vous mettez un sac de riz à 9000 francs. À 9000 francs. Donc, on a besoin de 1000 sacs de riz pour partager dans tel village. Ou bien dans tel endroit. Ok? Si vous avez mis le prix et que les gens ont participé jusqu'à ce qu'ils ont rempli la cagnotte, vous allez, ces frères maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dans les magasins. En gros, ils vont prendre un sac de riz, par exemple, à 6 000. Alors qu'ils ont dit 9 000. Ils prennent à 6 000. Maintenant, ils payent les sacs de riz et le reste maintenant, c'est leur gain. La yadjouz. D'autres, par contre, ils ouvrent des cagnottes, ils disent, on a tel besoin, mais en réalité, c'est pas vrai. Voilà pourquoi ceux maintenant qui le font dans le sérieux, ceux qui le font dans le sérieux, aujourd'hui, les gens n'ont plus confiance. Parce que d'autres ont pris cela comme amal, comme travail, pour pouvoir s'aider. Pourtant, ils disent que c'est du bénévolat. Alors, Moussa, qu'Allah nous aide. Donc, on va terminer ici. Amal adat. Al-ibadat. Quant aux adorations, ka'an yusolli min ajli toma'i dunya. Prier pour un désir, c'est-à-dire quelque chose de la dunya. Ou jahid min ajli toma'i dunya. Ou bien faire le jihad pour chercher la dunya, ou yatlubu l'ilm, ou bien chercher la science pour la dunya, ou yahuj, ou bien pour faire le hajj, fada dakhilu fi hadhihi al-aya. Cela rentre dans ce verset, man kana yuridu al-hayata dunya wa zinatah. Celui qui cherche la dunya et ses embellissements. Nous afilayhim a'malum. Allah dit, nous allons les donner de ce qu'ils ont fait de la dunya, ils auront, fahum fiha la yubkhasun. Ils seront pas lésés. Voilà qui. Mais, عليه الوعيد الشديد إلى أن مناس دير وهو نوع من الشرك إيسا تنتيب بالشرك قال تعالى يقول صلى الله عليه وسلم لم يسجد الله صلى الله عليه وسلم دي تائسا عبد الخميس تائسا ستادي هلك أبيري عبد الخميس ستادي لسيرفيتور دي بوفتوم سلوكي شرش Taïs Abdul Khamil, c'est la même chose. Taïs Abdul Dinar a péri. Abdul Dinar, le serviteur du dinar, de l'argent, qui fait les choses, les ajilid mal, ou dirham. In oti aradia, si on lui donne, il est content. Ou il l'am yota, l'am yarda. Si on lui donne pas, il n'est pas content. Fada naou mine shirk. C'est un type de shirk. Fal insanu. L'être humain, il purifie ses actions pour Allah. Si quelque chose de la dunya vient, c'est un risque qu'Allah lui a donné. C'est-à-dire, il fait pour Allah. Mais si quelque chose de la dunya vient à travers ce qu'il fait, risque. C'est une subsistance qu'Allah lui a donnée. Mais s'il fait une action de la akhira à cause de la dunya, c'est ce qui est blâmé. Et cela fait partie du shirk. Et il a une menace dure. Donc le musulman doit purifier ses actions pour Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا الذي أقول لإخوة c'est ce que j'ai dit à mes frères et à mes sœurs.
ne prends pas ta religion ou bien le dîme pour un moyen de t'enrichir. Ne le fais pas. Fa'il fa'alta. Si tu fais cela, la chaque, tu vas périr. Tu n'auras pas la dunya. Tu n'auras pas. La dunya, la yursal, on n'obtient pas. Même si tu obtiens des milliards, ta mout, tu meurs et puis tu laisses. Al-Hassalta, est-ce que tu as eu la dunya? La dunya, la yuhassal. On n'obtient pas la dunya. Personne. Personne n'obtient la dunya. Même le plus riche du monde, il n'a pas eu la dunya. Parce que, quand on dit avoir quelque chose, c'est de rester éternellement auprès de cette chose. Mais tu ne restes pas éternellement auprès de cette chose. Donc, mahma talab termine dunya. Quel que soit ce que tu cherches de la dunya, fala tatlubu dunya bi dinik. Ne cherche pas la dunya avec ta religion. La tafalada. Cherche ta dunya dans les sciences mondaines, dans l'apprentissage des métiers, dans le commerce en ligne, dans le fait de faire du travail. Mais n'utilise pas ta religion pour chercher la dunya. C'est ta sœur. Tu vas périr. Qu'Allah nous préserve. Et qu'Allah nous guise enfin sur le droit chemin. Donc la semaine prochaine, dans le dans prochain, inshallah, nous allons voir les différences entre le shirk al-akbar et le shirk al-asghar. Et ensuite, bi-iznillah, nous allons lire les questions qui ont été posées à Cheikh Soal al-Fawzan à ce sujet. Bi-iznillah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.